Bonjour, bienvenue dans l'univers du yoga. Je suis Ludovic Tenez, j'enseigne en STAPS au STAPS La Crotale, l'Université de Paris. Je vais vous présenter un exercice pour les débutants. L'initiation à la pince, c'est inspiré de la pince d'Eva Rouge-Paul, qui était une des pionnières du yoga. On va s'échauffer d'abord un petit peu les bras, les jambes pour préparer cette posture. Donc, pour les bras, l'exercice il va s'accompagner de la respiration synchronisée. Inspiration, je me grandis. Expiration, je relâche tomber les épaules. Inspiration, je me grandis. Expiration. Je prolonge bien sûr l'exercice une minute ou deux. Le deuxième exercice, toujours pour les bras, je vais faire alternativement. Inspiration et expiration. Je prolonge tranquillement cet exercice, une minute ou deux. Ensuite, je travaille sur la jambe, elle va revenir sur l'expiration puisqu'on se regroupe. Et inspiration, je vais glisser ma jambe au sol. Expiration, inspiration. J'envoie le talon très très loin et pas la pointe de pied. Je me regroupe, inspiration, j'allonge la jambe, j'étire la jambe. Donc, toujours alternativement au départ. Pareil, une minute, je vais pouvoir faire l'exercice avec les deux jambes à la fois. Je glisse au sol, je stabilise bien avec mes mains. Inspire, expire, je me regroupe. Inspire, je me regroupe. Je vais utiliser les bras et les jambes sur la séquence suivante. On peut le faire alternativement, on va le faire les deux jambes à la fois, mais on pourrait le faire alternativement. Donc, position initiale, on est ici. Expire, je me regroupe un maximum, je me regroupe. Inspiration. Je me tire vers le haut, les talons vers l'avant. Expire. Inspire. Donc des petits exercices de mobilisation articulaire pour se préparer à la pince, à l'initiation à la pince. La pince d'Eva Rouge-Paul, c'est celle-là. Je vais passer par l'extérieur, je vais saisir mes plantes de pied. Je suis très regroupé au départ, je fais glisser tout doucement. J'essaye de trouver une position confortable. Les jambes resteront pliées et je vais me grandir un petit peu. Tout l'intérêt. C'est de venir dans une position confortable et la posture, c'est une statue qui respire, donc je vais essayer d'être immobile, sauf que ma respiration va mettre mon corps en mouvement. À l'inspiration, le menton va vers l'avant. À l'expiration, on gagne encore un petit peu et on va gagner millimètre par millimètre à chaque expiration. Le tronc va se coller de plus en plus aux cuisses pendant l'expiration. L'inspiration, je me grandis un peu, mais toujours vers l'avant. Le regard est toujours orienté vers l'avant. On ne regarde ni ses genoux ni son nombril. On essaye juste de se grandir un maximum. On va doucement, on reste dans la position. Si on est à l'aise, on le fera un petit peu plus loin. Bien sûr. Ensuite, on peut être dans cette position-là si on est très à l'aise pour commencer la vraie pince, la fin de la vraie pince. Il faut bien se rappeler que pour la pince, c'est vraiment une fermeture jambe-tronc. Donc, c'est cette action-là du mécanisme. C'est pas aller courber la colonne vertébrale, mettre le front, par exemple, sur les genoux. C'est vraiment cette dimension. On se souvient, immobilité. Donc, je vais très lent pour me mettre en place. Mais quand c'est une posture, j'essaye de rester immobile, totalement immobile, à part la respiration qui met le corps en mouvement. Comme on vient de le dire. Un petit peu de pratique tous les jours, ça s'améliore rapidement. Bonne pratique. Et demain, le soleil se lève.